Deuxième manche, on va juste changer les spawns. Et on repart sur le même schéma pour Nasty et Reda. Perman qui va aller au milieu. Jack sur la home cap. De même pour Floorbug qui leur please. Qui peut-être ira face cap A, je ne suis pas sûr. Et toujours Jaggerman sur le point A. Un killer please qui va aller au middle hein, comme le round d'avant. C'est Gogi qui va aller sur A. En faisant le grand tour. Un tour assez spécial pour aller au middle, pas très commun. Elle aurait pu prendre le spawn de droite pour faire ça. Peut-être moins de virage, plus de vitesse. Et puis Ben qui est en train de oulala de dive sur Floorbug. Et ça passe pour Jack Floorbug qui vient de se faire bomber. Aïe aïe aïe. Ouh, Zetrox et Bubé qui se. Qui se trade, Buben Sinto qui est poursuivi par Roplex. Gogig contre Juggerman sur A dans sortir. Un espace assez restreint. Un bot chat sur Perman qui vient de ricocher. Hercules de Perman qui a été prise. Bon, on ne perce pas la caisse. Jaggerman face à Gogig. Jaggerman qui a perdu son duel face à Gogig. Qui vient de perdre son duel. Et qui vient de récupérer le point A. De même pour. Killer please, qui vient de sortir Perman. Attention parce que Jack a pu bien pusher dans la rue, justement adjacente. Au parc, et maintenant bloque Floorbug qui peut pas aller récupérer le point C pour le moment. Ouais, Floorbug qui est hésitant. Ouais, à mon avis, il va attendre qu'un avion vienne strafe ou quelque chose. Roflex qui est en train de ramener son Yak 9. Zetrox qui arrive avec un IL2. Jaggerman en Yak 4 et Buben Sito en R3 T20. Si Floorbug n'arrive vraiment pas à le déloger, il a pris 20 obus smoke, ce qui permettra de certainement reprendre la cape. Gogi qui vient de se faire sortir par Jaggerman sur le point A. Allez Zetrox, il va falloir le sortir sur Yak 4 où il vient de se faire couper là un petit peu par la R3. Et il arrive ici. Qui n'a pas vu que le Batchat avait pris une ligne sur lui. Donc Jack qui n'a plus de culasse. Et Floorbug qui va. Probablement extend directement sans prendre le point, histoire de terminer le T25 qui est une menace. Il a loupé son shoot, Floorbug. Il veut pas trop se montrer parce qu'il sait qu'il y a une ligne qui est prise sur lui depuis pour le point A là. Du coup, il va reculer tranquillement et reprendre le point. C'est le point A qui va être récupéré par les Reda qui leur plisse toujours au middle hein, avec son 25T. Et Reflexa qui va revenir lui aussi en IL2. Jaggerman en IL2 aussi. Et Buben qui vient de sortir l'IL2 de Zetrox. Zetrox qui va peut-être avoir le temps de lâcher ses bombes sur Bubi. Et ça passe la bombe sur Bubi en s'écrasant. Batchat qui est en train d'effectuer une rotation. Qui se rapproche du point A au middle. Qui va permettre à Perman de se rapprocher de ce middle. Toujours des échanges de tirs entre Floorbug et T25. T25 qui vient de se faire atomiser par l'IL2 de Roflex. Et Jaggerman qui a loupé ses bombes sur Killer Please.
Il s'est fait abattre. Là par contre ça commence à être chaud, il y a Gorman qui va être sur son dernier spawn. Déjà. Le point qui a été décapé par Gogig. Qui arrivera. Et qui va choper. Ah, prendre le tir sur l'IS2 de Perman. Club qui pousse B directement. Ah, ça va être compliqué là pour Reda. Ça va être très compliqué de revenir dans cette game là pour Reda. Alors Gogig qui va être face à la DCA et l'IS2. Zetrog sortait 44 qui va venir sur les côtés de A pour protéger. On a toujours l'IL2 de Roflex qui est en vol. Il prend quelques shoots là quand même, il a un petit peu endommagé. Je pense que c'était son Edon avec Jaegerman qui l'a mis dans cet état. Deux entières hein, côté Reda. Une ZSU-37 qui vient de découper Roflex. Attention, Gogig a perdu son tube, on va le réparer, la R3 est immobilisée. La R3 qui vient de reprendre son driver. Qui va essayer de faire le tube de Gogig. Et c'est finalement Killer Plus en 25T qui va venir sortir cette R3. Fleurbug qui est contre le Sherman Duck. Qui vient de passer un shoot très rapide. Sur T34 oh au centre. Gogi qui vient de cross Jaegerman et c'est terminé pour Jaegerman. C'est un 4v5 en faveur des Nasty. Les Nasty qui sont vraiment en train de dérouler leur jeu. Flambug n'a plus de culasse. Plus de moteur aussi. Oh là là, Jack qui arrive pas à le terminer. Et là c'est fini. Flambug qui tombe. Et qui va forcer Jack à recaper ce point. Donc perdre du temps. Oui. Killer Please qui va essayer de prendre des petites lignes sur les entrées du point A. Non, hésitant. Florbug qui va pouvoir revenir en P63. Et oui, Reflex qui avait posé son Yak-9. Qui avait donc libéré le slot de spawn de chasseur. Et donc Florbug en P63 qui va arriver avec des bombes de 500 livres. Et Zetrox qui a la toute petite ligne dans la porte. Qui va bloquer toute attaque, tout rush vers A, Nereda. Point qui est bien verrouillé. Hein. Un Gogig avec son IS2 sur le point. On a le 25T de Killer Please au middle. Qui est en train de se faire taper hein, par le ZSU. 37. Ah, Zetrox qui avait sorti Bubensito. Hein. Et quelques secondes. Mais voilà, ce 4v5, ça va être très compliqué de revenir. Perman qui va essayer d'arrêter Floorbug dans son élan. Mais qui n'y arrive pas. Être lâché sur Buben. Buben qui est sorti. C'était la dernière spawn pour Buben qui est mort 4 fois. 3v5. Les Nasty sont en train de terminer ce match. Qui sont en train d'achever les Reda, de les écraser complètement. Voilà, avec Reflex qui vient de sortir le M4A3 de Jack. Zetrox qui va achever l'IS2. Cet IS2. Et il ne nous reste plus que Perman. Perman qui 37 et Jack qui va pouvoir ressortir un M41. Killer Plus 41. Ouais, c'est terminé. Hein. Killer Plus qui a sorti la ZSU-37 et c'est fini. Les Nasty qui vont donc aller en finale face aux ENP. Nasty qui vont aller rencontrer leur homologue. Et la bombe qui est pas passée, qu'il a juste mis en feu. Mais ouais, Nasty qui va donc retrouver ENP en finale. De ce tournoi. Ça et Reda qui va donc Reda qui va donc prendre la troisième place de cette cup. Et donc empocher un petit peu de d'oseille quand même. Hein, de cash prize. Un petit peu de cash prize pour Reda. Hein. Reda qui va donc gagner $200 à se partager. Une décale, 1000 Golden Eagle par joueur, du compte premium, des boosters et un titre. Voilà. Et donc, Nasty qui va donc retrouver ENP en finale
Ce match va avoir lieu eh bien, dans quelques minutes. Une petite vingtaine de minutes, voilà. Pour la finale qui va opposer ENP à Nasty. Et ben voilà. Non, il y a vraiment Nasty qui a...